Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On recommence Dai de Shinmoku, le ravin secret. Tu es prêt? Coucou! Ah oui. Yes, s'il vous plaît. Et on commence tout Tout de est suite. prêt dans le précipice. Cette fois, tu ne tombes pas. Il faut traverser les forêts. Ça commence tout de C'est suite. même pas dans celui-là que t'étais tombé. Eh, c'était génial, je l'avais adoré celui-là, il était trop bien. Trop dur aussi. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il était trop bien. Ouais. Bon alors, vas-y. Je vais t'amuser Pose comme tes une petite défenses. folle. Pose tes défenses, pose tes défenses, vas-y. Ouais. Ok. Ah, t'écoutais le dialogue, c'est ça? Ouais, un petit peu, mais Excuse-moi. pas que. Non, non, je réfléchissais aussi dans ma tête à la hauteur à laquelle volaient les guêpes pour leur mettre des pièges sur la tête, en fait. D'accord. C'est vrai qu'on avait galéré avec les Les mouches, ceux par exemple. au-dessus. Elle faisait un peu Bien. chier. Je vais essayer cet étage, cet étage, cet étage-là. Je me passe sûr de moi. Lucie, cette étagère. Elle me paraît pas mal, cette étagère. Je sais pas ce que t'en penses, hein, là, mais je sais pas. Ça me paraît Ah merde. cool, c'est peut-être un peu Merde, bas, mais. Azlis, les pièges au plafond, j'avais oublié. Piège au plafond. C'était ce qui nous avait sauvés. Ah merde, je me sens Oh, je suis conne. débile, j'ai pas pris mes défenses. Moi Oh, non plus! bon, pas grave. Moi non plus! Alors je te propose que pour le prochain épisode, on s'achète un cerveau. C'est une bonne idée. Oui, donc voilà, nous sommes un peu dans la merde du coup, c'est pas grave. Donc ça, c'est ta jolie petite faille. Oui, c'est la mienne de faille. C'est ma petite fente. Et notre fente commune, J'ai arrêté ça c'est... parce que c'est. Je pense que j'en saoule bien Oh! plus de la moitié de tes abonnés. Maintenant, ils sont gentils, mes abonnés. Oui, ils sont gentils, mais bon, je les saoule quoi. Non, tu les saoules pas. Ils le diront pas. Non, ils sont gentils. Ouais, J'ai eu mais qu'un Shinmoku, il est méchant chiant. et il est parti. Ah, je vais vous montrer un secret. Regardez, on peut passer pour la première fois dans les trucs des wagons. Et de Ah mon bah côté, oui. c'est pareil. Vous allez voir, c'est super rigolo. Mais eux, les méchants, ils Tu passent sais pas que tu par viens de me là. l'apprendre, là? Moi, je te l'avais dit quand on l'avait fait ensemble. t'écoutais pas. Ça, tu m'écoutes pas. Ah, du coup, j'ai failli me suicider. Tu te rends pas compte? Trop dark, Azlis. T'es trop dark. T'as vu? T'as vu? J'ai un peu de blanc sur la tête, par contre. Pieux affûté. Bonjour. Dois-je comprendre quelque chose? Effectivement, vu comme ça, effectivement, ça change la donne. Bah là, on ne peut pas. Azlis, t'es bon, t'as posé tes défenses? Oui, T'as c'est bon, pas je suis posé tes. bonne. Oui. T'as tout pensé là? Oui. Putain, mais ça coûte 900 le chouffre? Ça coûte 700, mais attends, viens voir. Il y a ça, Pouic là. Parce que ici, c'est bien le Pouic. Le Parce que du pouic. coup, j'ai pas mes trucs du plafond, donc du coup, je suis dans la merde. Ça, c'est mon Pouic, et ça, c'est le Pouic pour les mouches. Les mouches! Ouais. La différence entre des mouches et une chauve-souris, Azlis. D'accord, mais c'est le Pouic pour les chauves-souris alors. Voilà. Bon, Azlis, va défendre à l'intérieur, moi je vais prendre les chauves-souris. Ok. T'as peur que je les tue pas parce que je les confonds avec des mouches, c'est ça? Ok. Et je vais vous faire vachement plus mal maintenant que j'ai augmenté mon arme secrète. Moi pareil. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé parce que les pièges c'est tellement rigolo que du coup je pense qu'au piège et tout alors que. C'est rigolo! C'est rigolo, on tue des gens! Non, non, c'est pas des gens, c'est des orques, donc on a le Tuer droit. des orques, ouais, on a le droit. C'est vrai que les gens on n'a pas le droit, n'essayez pas chez vous, hein. C'est interdit par la loi, c'est puni, tout ça, par la Voilà, morale. les zombies, il y a une convention de Genève quand même, hein. Oui, parfaitement. Et puis à La Haye, ils ont dit faut pas tuer les orques bleus. Ouais, et les zombies non mutants, on a le droit de les laisser en vie jusqu'à 3 jours. C'est ça. C'est écrit.
Et le nouvel article 130-2 du code pénal, il dit que les zombies sont nos amis. Donc, surtout toi qui es en droit. Non mais justement, il y a un article 130-1 qui sert à rien là, qui a été créé par Taubira là récemment, qui est une définition. Et t'as pas de définition dans le code pénal, t'as que des interdictions. C'est la première définition qu'il y a, donc qui sert à rien. Donc du coup, il y a un article 130-2 maintenant qui dit les zombies sont nos amis. Tu vois, d'accord. Tout est lié. Tout est lié. Tu peux me prendre les chauves-souris s'il te plaît? Oui, je peux te prendre bien sûr si tu veux, pas de problème. Oui, vas-y. Donc ça va, c'est ça. Très bien. Ok, alors. Tac, 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 tac. T'as pas mis de truc en l'air, toi? Non. Ok. J'ai mis un nain. T'as mis un nain en l'air? Qu'est-ce que tu fais à mettre des nains en l'air? Je fais ce que je veux. Je rêve. T'as demandé son consentement, au moins? Parce que franchement... Elle était d'accord. Hein? Il était d'accord, il m'a dit ouais vas-y Lance-moi. Non mais on s'en fout de leur accord. Ça, je te jure. Non mais je te jure, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit que les petits ils doivent pas passer, qui dit que les nains, eh ben. Non. Qui dit que on se fiche. De l'autre côté Azlis. Oui, c'est pour ça j'essaye de le faire de l'autre côté en même temps en fait. C'est bon, c'est pas bon, j'y vais. Ok, c'est pas bon, ok, c'est bon. Non, c'est pas du tout bon là, ils sont en train d'avancer. Pas du bien, ça va. Ah, c'est bon, il y en a deux chez toi là, je vais me les faire. Meurs! Ok, on est bon. Ok, je reviens de ton côté maintenant. Donc, oui, Taubira. Merde! Oui, comment il s'appelle? Machin sur ange, morceau sur ange, un truc comme ça, je sais plus. Bref, ouais, c'est juste c'est... Ouais. Et ben, le lancer de nain, il est interdit même si le nain, il est d'accord. Parce que c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Voilà. D'accord. Ah, je vois. Oui, donc, le lancer de nain est interdit, il me semble. C'est ça, non? Oui. Morceau sur ange, c'est un arrêt qui dit ça. Le nain était d'accord, il disait, putain, comment je gagne ma vie, moi? Et la loi, elle a dit, mais on s'en fout que ce soit comme ça que vous gagnez votre vie. C'est une atteinte à la dignité humaine. Donc même si vous êtes d'accord, le lancer de nain est interdit. Oui, c'est ça, le lancer de nain est interdit. C'est ça. C'est l'arrêt sur lequel ils sont basés pour Dieu donner et tout. Dignité humaine, tout ça, tout ça. Vous savez, c'est pour ça. Donc ton nain, même s'il est consentant, on s'en fout un peu parce que t'as pas le droit de faire ça. Oui, je lance le nain. Oui, on ne lance pas les nains en l'air. Les orques, on a le droit, par contre. Les orques, t'as le droit, pas. Ouais. Ça, je comprends vraiment pas. Bah écoute, faut croire que... Faut croire qu'ils sont mignons quand on les lance. T'imagines le nain? Oui. Non mais c'est ça en plus hein. Allez, mourez. Mourez. Et là, vous mourrez encore. Tu sais que j'adore celui-là, je trouve ça, je trouve épique. Cette map, je la trouve géniale. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Ah ouais. Elle me plaît trop. En plus on peut marcher sur les trucs des wagons et tout, enfin c'est très rigolo. Il y a plein de trucs super rigolos à faire. Oui, c'est ça, tape sur la gueule de ton copain. Ça me plaît. C'est ton nain qui est mort? Ouais, c'est le mien. Oh. Il y a que moi qui peux le créer, donc oui. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ce détail. C'est l'habitude que tu me poses un nain chez moi pour me tenir compagnie. Oh putain! Toi, t'es un beau gros. Allez, vas-y, tape. Si tu vois des trucs au plafond, tu cries. Je vois pas le plafond d'où je suis. Oh la 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 la. Si ça s'appelle pas des chauves-souris, ça s'appelle des trucs. Les trucs, si tu vois les trucs en l'air, n'hésite pas à me le dire. J'ai entendu les trucs en laisse. Oh, les trucs en laisse aussi, hein. Ça y est, Azlis nous reprend avec sa maladie, avec son hobby des chiens là. Tellement. Avec son hobby, pardon. Parlons France, parlons la France, s'il vous plaît. On ne tue pas les chiens, c'est interdit. Ça? Ah oui, c'est oui, interdit, les chiens. Sinon, les chiens, je viens chez vous et je vous tue. Aïe, j'ai mal, Azlis, j'ai mal, je vais mourir. Tu veux que j'arrive? Oui, interviens. Attends, j'arrive. J'essaie de ralentir mon orque. Il y en a un qui se balade. Ah, j'ai besoin de toi. Il est près de la sortie. Oui, je suis là.
Vas-y, frappe-moi plutôt que de t'enfuir. Ah, oui, c'est bon, il est mort. Bien. Il y en a un autre. Je me sens pas bien, il y en a un chez moi, ouais. Waouh, joli ce que t'as fait, putain. La pause, ça te fait du bien. Des sous. La la la. Oh, bordel de merde. Ok, alors, je vais mettre ça là. Vas-y, tu cracheras ton venin sur, les gens. Allez, allez. Ah oui. Ok. Ok, bah c'est bon, je suis bonne. C'est vrai? Ouais. Beaucoup? Beaucoup, ouais. Ah ouais. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Ah, tes nains, ils sont trop mignons! Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est trop bien! Et tu crois que si tes nains ils meurent sur ton presse-monnaie, ça te fait de l'argent en plus? Attends, c'est maintenant que tu comprends ça? Non, mais tes nains à toi! Ouais. S'ils meurent sur ton presse-monnaie, ça te fait de l'argent en plus? Bah non. Ok. Enfin, c'est les ennemis, hein. Je sais pas. Peut-être que c'est le poids du corps, tu vois, qui te donne de l'argent, je sais pas. Non, c'est pas ça. Très bien. Pourquoi est-ce que tu essayes de penser rationnel, je sais pas. Dans un jeu qui n'en demande pas. Qui ne demande pas de rationalisme. Je sais pas. Tu viens jouer au funambule avec moi? Funambule? T'as déjà reculé? Reculé à reculons? Sans regarder derrière toi? Sur un rail au beau milieu du vide? Alors, je sais pas pour toi, mais avancer à reculons, c'est très dur. Ouh. Ah oui. Oui, effectivement. Vu comme ça. Aslis, oui, s'il te plaît, fais-moi un test de mental. Alors, test de mental, voyons voir. Je te propose que je recule d'un coup. Si je suis toujours sur le truc, je réussis mon test de mental. Si je me suicide, je le rate. Suicide-toi. Ouh, bah non, j'ai réussi mon test de mental. Bravo. Oui, merci. Oh, pouic. Haha. Alors, où est-ce que ça va les envoyer? D'accord, ça va les envoyer là. Ok. Ah, bien. Ah, ça ne sert à rien. Très bien. Ok, je vais le remettre en route du coup. Pouic. Je vais le remettre là. Comme ça, ce sera parti. Ah, j'ai entendu des sous. C'est quoi? C'est toi qui poses des pièges. Yep. Où es-tu? Ah, tu es là, coucou. 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 T'as vu, il y a des plages au piafon. Il y a des mièges au quoi? Il y a des plages au piafon. Des plages. Des plages. Des plages au piafon. D'accord. Ok. C'est notre ami Porto qui est de retour. Ah putain. On y va? On y va. Ma parole, il ne s'arrête jamais. Ça se passe en l'air. Surtout. Avec ton nom. C'est trop bon. Oh là là, ça sent l'ogre. Je sais pas pour toi, mais je trouve qu'on entend des ogres. Mais il y a que ça dans cette map, hein, quasiment. Oh, il y a des sous. Oh, il y a des sous par terre. Je vais les chercher. Bah oui, mais c'est normal parce que les ogres, ils en lâchent quand. C'est trop bien. Ah bah heureusement parce que les ogres ils sont vachement balèzes quoi. Ouais, attention dans le ciel. Deuxième fournée dans le ciel. Attention tout court. Ouais mais dans le ciel c'est très chiant. Ça va ton ciel? Ah. Ok. Ça va dans ton ciel. Ok, moi du coup ça va pour toi? Ouais ça va, je me suis peut-être un peu trop occupé de ton ciel mais ça va. Ça va. Mes pièges gèrent bien là. Moi je suis pauvre. Ouais moi je vais peut-être Ah, j'étais un peu blessé là. J'ai un buzz ouvert, je crois que je vais essayer de le retarder comme ça. Ok. Nous sommes calmes.
Ok, tout va bien. Non, tout va pas bien. Non, non. Tout va très bien. Merde, il m'a tué. Ah, oh putain, heureusement que mon acide lui a pulvérisé la tête. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Tellement. Ok, alors, je vais mettre un truc d'acide ici. Et je vais mettre un bon petit soufre ici là. Je suis la meilleure. Eh oui. Pulvérisatrice d'acide. J'adore le pulvérisateur d'acide. Je crois que c'est mon piège préféré. Ouais ouais, tu parles, hein. C'est il est puissant. Ah ouais, et puis il est beau. Ça gicle partout. C'est génial. il y en a un qui s'est accroché au rebord et a fait J'adore. C'est génial. Mourez. 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 Broum. 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 Tue tes copains. Derrière toi. Bah je vais te faire du mal pendant que t'es avec des petits cœurs sur la tête. Non. Il me défonce la tête. Ok, ça va. Oh là là, ils sont pas marrants. Ils sont presque là. Ah là 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 là. Vas-y, cogne tes copains. Combo. Combo. Plus de sang. Toujours plus de sang. Plus de sang. Plus pour le dieu du sang. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose chez moi. Plus de victimes. Pour le dieu des victimes, quoi. Qu'est-ce que je dis ? Pour le dieu des ogres. Voilà, si tu veux. Oui. Ok. Tu me dis s'il y a des trucs dans le ciel, hein. Ouais, ouais. Il y a des trucs dans le ciel. Ok, bon, je vais revenir là. Enfin, qui arrive bientôt. Ah, d'accord. Ok. Parce que j'ai comment dire le bouton Skype par-dessus mon truc, donc vous voyez sur la vidéo, tu peux le voir en haut à droite et tout, mais en fait non, parce que là il y a Skype par-dessus, donc voilà. Je ne peux point en l'état actuel des choses. J'envoie chez toi par contre et je m'en prends sur la tronche, donc T'inquiète. Tac 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 tac. Ok, c'est bon. Des trucs ont explosé là. Ah, il y a des sous. Ça fait du bien. Un petit peu de sous. Je suis pas contre. Je vérifie quand même le truc de sortie des zigotos là, parce que sait-on jamais. Oh, c'est émouvant. Oh oui. Oh putain, la porte est vraiment attaquée là. Y'a des gens qui sortent là? Ouais. Merde, ça vient d'où? Ça vient de chez toi ou chez moi? Ouais, de chez toi. Enfin, bah, non, c'est de chez c'est moi. Chez toi, c'est chez toi. Ouais, ouais. Mais la porte était attaquée. Ok, demande à une de tes. De tes grenouilles là, de. Oui, hop là, un petit peu d'aide là. Tac. C'est fini. Ok. Putain, j'ai vraiment un faible mana, ça me gonfle. Alors, on va en mettre là. 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 J'ai ma horde de nains là. Là. Moi j'ai du soufre partout. D'accord. Parce que j'ai plus de place sur les murs, alors maintenant je m'attaque au sol. La la la. La la la. La la la. La la la. Là c'est blindé. Ah, non, aucune idée de tout ce que c'est d'ailleurs. La la la. 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 T'as trois nains. Ça a été offert par. Par Azenchi. Azenchi. Ah, mais. Parce qu'on chante mal. Ah oui. Ils font tous le même mouvement. Un petit
pas vers la gauche comme ça. Toulou. Oh, c'est le ballet des nains. On va faire la fête. Hop là, non, c'est pas là, c'est par là. Tac, 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 tac. N'hésite pas à crier hein, si t'as des problèmes, si t'es débordé ou quoi. Ah non, c'est ça. En fait, quand ils arrivent là, tu me le dis. Quand ils sont tous là, tu cries. Ils sont tous quoi? Quand ils sont tous là, là. Quand t'es débordé à ce niveau-là, tu me le dis. Bah, ça risque d'être rapidement. D'accord, ok. T'as mis beaucoup de pièges, toi, pour toi. Ah ouais, mais t'as ton presse-monnaie qui prend toute la place. Mm-hmm. Du coup, t'en as moins là. Ah ouais, t'en as mis deux. Uh-huh. Mis deux, eh oui. Le fric ou pas fric, hein, quand même. Ouais, je comprends. Faut du flows. Ok. Bon, enfin, dis-moi quand t'es débordé et tout, parce que moi je commence à paniquer quand il commence à dépasser là en fait. Ok. Crucalin. Tayo, je vais renverser la lave si j'y arrive, mais j'y arrive pas, je suis trop nul. Bon bah attends. On peut pas renverser de lave dans ce niveau là. Parce qu'ils sont pas en hauteur, c'est ça? Ah. Eh oui, je pense. Mais sinon je l'aurais déjà fait. Dida di di dam, di di dam, di da di di dam. Boum. Et là, tu peux pas en mettre, non? Je vais en mettre un là, parce que il passe souvent par là. D'accord. J'aimerais peut-être t'en mettre un là si. Si j'ai de l'argent. Toi t'es débordé de ton côté? Ça dépend, mais pas beaucoup hein. J'ai pas du tout l'impression. Quand tu me dis que ça arrive souvent qu'ils arrivent là, ils arrivent pas souvent là en fait. Souvent c'est les ogres qui passent. Okay. On y va. Ouais. Ok, ça commence dans le ciel. Ah, mais non, ils arrivent de toutes parts. Ouais, mais je m'occupe d'abord du ciel. Parce qu'après ils me font du mal et tout. Mourez dans le ciel. Quelle mort grandiose. Putain, il y en a encore dans le ciel là. Ah, il y en a beaucoup trop dans le ciel. Hein. Ah. Okay. Eh putain. Mais comment ils vont pour passer? Qui est passé? C'est au plafond, ouais. Attends, tac. Dégagez le plafond parce que... J'ai pas visé. J'en ai pas encore fini avec vous. Ok. En fait, moi, ils passent quasiment pas. Hein. Les orques rôtis, mes préférés. Ils sont quasiment tous bloqués en bas. À nous deux. Ok. Encore dans le ciel, hein. Attention. La 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 la. Ok, on va y arriver.
Allez, faudrait vraiment que j'apprenne à viser dans le sol quand même. Ok. Putain, là on est silencieux, chers amis. Enfin, je suis silencieux, chers amis. Ouais, t'inquiète. Parce que là, je suis concentré. Je te sens en panique. Je suis désolé, Aslis. Hein, t'inquiète, t'inquiète. Tu voulais. J'ai vu ton problème. J'ai nettoyé ton ciel. Merci, Aslis. Je t'en prie. C'est parfait. Tac. Par contre, ouais, copain orc, tape sur le copain orc, s'il te plaît. Putain, j'avais pas vu que t'avais posé des flèches d'acide. Si, j'ai senti que t'étais en difficulté, hein, t'inquiète pas. Merci. J'hésite de te renforcer ton truc. Bon, je vais peut-être aller récupérer l'argent qui est en bas parce que je suis en manque d'argent. Wouah, il a été empoisonné par l'acide. Oh, viens voir Aziz. J'arrive. Squelette d'orc. D'ogre. Ostroda, pas grave. Il a disparu ? Ah oh, merde. Ouais. Je vais voir ça. Il était trop bon. Ok, attention dans les ciels, dans le ciel encore, dans les ciels, tu sais, il y a le tien, il y a le mien. Si on a plusieurs, c'est ça, il y en a deux. Putain, il y a déjà un ogre. Ils ont aucune pitié pour nous, quoi. Non. Aucune. Il m'a stun. Ok, hein. Maman kikine, cette mouche. Ok. Inclinez-vous devant moi. Marchez sur mon vaporisateur, petits orques. Ok. C'est bon, ça va de ton côté? Ça va, ça va, ça va. T'inquiète. Nickel. Gère le tien, gère le tien. T'inquiète, c'est bon, y'a pas de problème de mon côté, hein. Tout va bien. Y'a que moi que ça fait chier. Non mais c'est bon, je t'ai blindé un peu plus ton. C'est pas mon incompétence. Non. Je me dirais mort, tu vois. C'est juste que t'es nul, Shin. T'es nul. T'es parce que t'es nul. C'est ça, ouais, essaye de m'attaquer, tu vas mourir. T'es mort. Tu vas mourir. T'es mort. T'es mort. Fallait pas me faire de mal. Tu as payé. Si t'as besoin de vie, dis-le. Ah, nickel. Youhou. Ouais. On a réussi. On a gagné un crâne de plus que la dernière fois. On a été un peu moins merdique que la dernière fois. Mais on devient fort, on devient fort. Oh putain. Il me semble qu'il a duré combien de temps cet épisode là? 28 minutes. Ouais, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Ouais, on va pouvoir. Attends, j'augmente ça devant eux comme ça, tac. Je vais prendre les dégâts supplémentaires aux ennemis envoûtés. Voilà. Ouais, je vais prendre. Moi, quant à moi, je vais prendre. Je vais prendre rien parce que j'ai plus rien. J'ai pas de. C'est blindé mon arme. Tu es pauvre. Oh là là. Donc voilà. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok, du coup, on vous fait des gros bisous. On espère que cet épisode vous aura plu. Et on vous dit à très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, à bientôt. A plus les amis.